comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Boy, does he smell it. You're never going to double L. I said so. I keep it buzz up in my heart. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour la quatrième vidéo news et rumeurs sur WWE 2K16. Donc on va pas parler encore de l'image, on parlera de l'image dans la cinquième, dans le cinquième épisode. Donc là je vais un peu parler, donc on va parler un peu des divas, des possibles divas qui auraient donc dans 2K16. Et des informations donc sur l'entrée de cette Rollins, donc des vraies informations qui sont vraies, qui ont été donc mises par 2K. WWE 2K Dave retweeté par le Twitter officiel de WWE 2K. Donc uniquement la news sur Seth Rollins. On va dire la rumeur pour moi, c'est une rumeur sur les divas. Donc on aurait Alicia Fox avec sa tenue de Payback 2014. On aurait Brie Bella, Cameron dans sa tenue de Battleground 2014. Natalia, donc Cameron, ce serait la nouvelle tenue. Enfin sa tenue quand elle était plus dans les Funk and Ductile. Ensuite Natalia avec sa tenue de novembre 2014, Nikki Bella en tant que diva championne, Paige, Rosa Mendes qui est officielle parce qu'elle l'a confirmé, Summer Rae, Bayley, Becky Lynch, Charlotte et Sasha Banks. Donc Sasha Banks qui est donc la NXT diva champion. Par contre s'ils font ça, ce serait un peu dégoûtant de qu'ils nous disent, donc j'ai vu ça aussi, comme quoi Cameron est deux NXT Diva, donc étant donné que Sasha Banks est officiellement dans le jeu, ça serait entre deux NXT Diva, donc ça serait entre Bayley, Becky Lynch et Charlotte, entre ces trois là, deux d'entre elles plus Cameron seront en DLC, mais j'ai vraiment pas envie qu'ils fassent ça, je trouve ça un peu con, autant tout nous mettre tous des divas dans le jeu, étant donné que ça fait quand même ça nous fait pas mal de divas quand même. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, ça fait quand même 12 divas, c'est quand même beaucoup pour un jeu de cash. Peut-être qu'il dit c'est trop, donc on va en mettre en DLC, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Donc AJ Lee a été confirmé qu'elle ne serait pas dans le jeu, étant donné que, ni en DLC, étant donné qu'elle a quitté la fédération après WrestleMania, donc elle ne sera pas dans le jeu. Donc maintenant, parlons maintenant de la news sur Seth Rollins. Alors on a pas mal d'informations sur Seth Rollins, c'est assez intéressant. Donc tout d'abord, sa tenue de WrestleMania 31 sera sa tenue de base, donc une tenue qui est assez belle, que j'aime bien sa tenue en fait de Seth Rollins. Ensuite, son entrée sera vraiment proche de réel, donc comment il rentre, et il aura donc sa propre entrée en tant que champion, donc quand il arrive et qu'il lève le titre. On nous avait annoncé aussi qu'il y aurait donc un Oh My God Moment exprès pour Seth Rollins, donc comme Roman Reigns avec son super kick. Quand il repose sur la première corde. Donc là ça aurait été un curb stomp sur le parpaing, mais étant donné que la WWE n'a pas trop aimé le curb stomp, ils ont préféré donc ne pas mettre ce Oh My God Moment, qui est vraiment un peu dommage parce que ça aurait été vraiment super classe et super, ça aurait vraiment fait Oh My God. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite donc JJ Security est officiellement dans le jeu, mais en tant que manager. Ils seront exclusifs à Rollins comme la troupe de persos qui suivent Adam Rose, ça sera le même système. Ils seront exclusifs à Seth Rollins, c'est uniquement Seth Rollins qui pourront être accompagnés d'eux. Par exemple, si vous prenez l'entrée de Seth Rollins, il n'y aura pas JJ Security qui vous accompagnera. Et on pourra les avoir donc au manager, donc ce ne sera pas des persos jouables, mais uniquement des persos managers comme Paul Bearer, Paul Heyman, etc. etc. Il existera donc une version du Shield, donc la version la plus magnifique, lors de WrestleMania 1, vous vous rappelez, quand ils sont rentrés avec leur sorte de bandana au niveau de la bouche, où il y avait un motif, comme une mâchoire en squelette. Et à ce qui paraît, ça pourrait donc venir en DLC. Donc c'est assez dommage quand même de nous faire payer un DLC pour avoir le Shield. Pour revoir le shield, donc vous en faites pas, je prendrai ce DLC uniquement pour le shield, parce que le shield est mon équipe préférée, c'est mon équipe qui m'a marqué l'année 2014, ils ont commencé en 2012, mais ils ont vraiment marqué 2 ans, ils ont catché 2 ans une équipe, mais ils m'ont vraiment marqué, et j'ai pas peur de le dire, je vous l'annonce, le shield, chaque membre, je les adore, même cette Rollins qui est
Seth Rollins, j'adore son catch, mais c'est sa gimmick que j'arrive pas à supporter en fait, c'est tout. Donc revenons maintenant à nos news, parce qu'on va, je suis un peu parti plus loin. Donc les finishers de Seth Rollins, donc de base, seraient donc le Phoenix Splash, donc le fameux mouvement. Donc là je pense vous montrer un petit clip du Phoenix Splash qu'il a fait donc à John Cena au Royal Rumble 2015. Et donc le Facelock DDT qu'il a exécuté une seule fois, et je crois que c'était sur Dynamo. Donc là vous devez apercevoir les clips de finisher pour vous donner un aperçu de ce que ça serait, de ce qui serait. Mais le Facelock DDT pourrait être remplacé par le Pedigree parce qu'il exécute beaucoup plus le Pedigree que le Facelock DDT. Il accroche pas trop au Facelock DDT. Mais pour ceux qui sont fans du Curb Stomp, le Curb Stomp n'a pas été supprimé. Le Curb Stomp s'appellera donc le Blackout, comme chaque année, comme sur les jeux 2K depuis que Seth Rollins est dans le jeu, donc depuis 2K14, il s'est toujours appelé le Blackout et non le Curb Stomp. Donc on l'aura en Blackout et on pourra le remettre à Seth Rollins, ce que je ferai. Et non, je mettrai donc le Phoenix Splash et le Blackout, sauf si le Facelock DDT est vraiment super classe et que je préfère mettre le Facelock DDT. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo news. Dans le cinquième épisode, on verra... donc là on parlera donc de l'image qui aura été dévoilée par 2K, donc la première image du jeu, parce que cette vidéo je la tourne donc le lundi 22 et on va avoir donc la première image normalement ce soir, je pense que je vous l'upload dans la soirée là, et donc demain normalement le 23 juin on aura donc le premier gameplay de W2K16, donc on va passer 10 minutes sur le gameplay pour... sur le trailer pour parler un peu de tout ça. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine and peace out.